timakefalana na manina afenorama nofinof foirakaoanao fomok ooomok tymanobet e ita mak

Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un film de Wong Kar Wai euh, pas très bien apprécié et pourtant que j'aime beaucoup, que j'ai redécouvert récemment au cinéma puisqu'il y a des ressorties de films de Wong Kar Wai euh, La ressort Happy Together, Chang'ing Express et donc Les Anges déchus dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc Les Anges déchus, film que j'avais découvert il y a très 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 longtemps et que j'avais plutôt aimé euh, voilà quand j'étais beaucoup plus jeune faut savoir que je ne suis pas un fan euh, un grand connaisseur ni un grand fan de Wong Kar Wai c'est vraiment pas le cinéma euh, qui m'a c'est vraiment pas ce cinéma qui m'a fait rentrer dans mon amour pour le cinéma de Hong Kong c'est quelque chose de beaucoup plus populaire qui m'a fait rentrer dans le cinéma de Hong Kong euh, Wong Kar Wai c'est vraiment voilà la, la 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 phase autorisante qui me plaît moins, mais il y a quand même des trucs très chouettes, je suis quand même très 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 fan moi de son tout premier film Masters Go Gobaï dont je vous ai déjà parlé, qui est en fait plus un film qui a la patte de son producteur euh, Alan Tang, et qui est en fait un... assez classique par rapport à ce que va faire Wong kar par la suite, c'est-à-dire qu'on on va pas encore avoir toute la... La, sa, sa patte purement visuelle, même si il, il y a quand même profondément des, des choses visuellement intéressantes et très bon carway dans *Aster's Go Bye*. Euh, J'adore le casting, Maggie Chung, Alex Man dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, Andy Lau, Jackie Chung, Superbe film, gros film de triade avec euh, avec de la romance derrière. Moi c'est un chef doeuvre pour moi *Aster's Go Bye* euh, du polar euh, hongkongais et c'est vrai que n'étant pas fan particulièrement de Wong Kar Wai, bah, je dis toujours bah, le le, le le film qui a le moins la patte de Mon carway, et la moins, la, le moins qui a le moins l'identité de Mon bah c'est Astérix et c'est donc mon préféré. Mais j'ai aussi cité Chunking Express, que ai, d'ailleurs j'ai revu euh, avec mes amis Jonathan Azia et Habib, que je que je salue au passage. Euh, et Chunking Express, c'est un film que j'aime beaucoup, là que j'ai pas eu un grand plaisir à revoir sur grand écran, bizarrement. J'ai eu beaucoup plus de plaisir à le voir tout seul chez moi. C'est peut-être une question de d'ambiance, de, peut-être que je suis pas rentré dedans, etc. Mais cela dit. Jumping Express, pendant très longtemps, a été mon carway numéro 2. Mais, en fait, en redécouvrant donc Les Anges Déchus au cinéma, sur grand écran, en 4K, puisque les films sont remasterisés en 4K, ils vont ressortir bientôt en, en DVD, etc. Euh, eh bien, je dois dire que j'ai adoré euh, la séance de ce film. J'ai été complètement emporté. C'est très souvent l'un des films qui est le plus décrié de de Wong euh, c'est souvent en fait il est résumé comme une espèce de 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 Wong kar -wai qui se regarde filmer et qui fait du Wong kar -wai, ce qui est pas faux mais moi n'étant pas un aficionado de Wong Kar-wai et eh ben je j'aime je, beaucoup quand en fait Wong Kar-wai là dans Les Anges déchus, il va vraiment filmer ce qu'il fait souvent l'errance euh, comme ça des personnages des personnages un peu marginaux comme ça qui vont errer dans la ville de Hong Kong et là comme, il, comme Hong Kong est une ville que j'aime énormément d'un point de vue cinématographique et même en dehors de ça. Il y a un côté hyper visuel dans cette ville et je trouve qu'il arrive à capter et il arrive encore à filmer Hong Kong d'une manière différente. Il y a notamment euh, le personnage de Leon Lay qui est un espèce de tueur à gage et les fusillades sont vraiment filmées avec une grande originalité. C'est encore un autre genre, c'est encore quelque chose de nouveau, de différent. C'est vraiment hyper stylisé il y a des explosions dans tous les sens, des flashs de lumière, des décadrages, des décentrages. La caméra virevolte, bouge. Il y a des ralentis. C'est c'est très expérimental, mais du coup comme ça filme des recoins de Hong Kong encore d'une autre manière dont j'ai pas que j'ai pas forcément l'habitude de voir, ben, je suis complètement fasciné par le par le métrage. Et donc euh, de ce point de vue là, euh, j'ai vraiment je suis vraiment complètement entré dans le film. J'étais complètement happé en fait par l'expérimentation du du du, du du réalisateur alors que d'habitude c'est quelque chose qui m'emmerde au plus haut point mais là comme c'est Hong Kong qui est filmé d'une certaine manière euh, j'ai vraiment adoré de plus il y a vraiment un super casting des acteurs que j'adore et qui sont pas forcément les plus utilisés dans les films de Wong Kar Wai alors mis à part Takeshi Kaneshiro qui évidemment sera utilisé souvent, il euh, y a aussi Michel Reis, si euh, Charlie Young et Karen Mock euh, qui ont des rôles un peu plus secondaires, il y a aussi beaucoup beaucoup d'humour. C'est ça que j'ai remarqué. D'ailleurs, euh, ce qui m'a fait aussi très plaisir, c'est qu'il y avait énormément de de chinois dans la salle et j'avais l'impression qu'ils venaient un peu de de tous les coins de de de, de toutes les Chines différentes, il y avait euh, il y avait l'air d'avoir des gens qui parlaient en cantonais d'autres en mandarin donc potentiellement des gens de, de, de Hong Kong ou, ou de, de Chine continentale ou voilà et j'ai l'impression que voilà Wong Kar Wai euh, dans certains milieux étudiants là c ça s'avère d'être voilà c'était vraiment au centre de Paris dans, des petites salles, c'est à la, à, la, à la filmothèque du quartier latin, donc quartier très cinéphile avec des étudiants en de cinéma, etc. Donc c'est pas du tout euh, les spectateurs euh, d'un cinéma populaire d'exploitation, etc. Ou, ou de films d'action. Là on est plus dans euh, quelque chose d'artistique, un peu plus arty, un peu plus cinéphile. Euh, donc il euh, y avait quand même un certain nombre de, de Chinois dans la salle et ils étaient explosés de rire. Euh, devant le, le personnage de, de Takeshi Kaneshiro. Euh, voilà, ça, ils, étaient, ils étaient morts de rire et ça faisait plaisir parce que c'est très rare que j'assiste à des séances sur Paris avec euh, des Chinois qui viennent voir leurs films. Donc c'est très, euh, très cool euh, à ce niveau-là. Alors que par exemple je vais souvent à des séances avec de, de films indiens et il euh, y a toujours les Indiens qui vont voir leurs films là à Paris pour les films chinois. Cela dit les films chinois ou de Chine continentale ou de Hong Kong ou de Taïwan. Ça sort quand même pas mal, mais c'est pas dans des grosses sorties, dans des grosses salles. C'est plus dans des, dans, des, dans des petites salles. C'est souvent des ressorties de vieux films, etc. Donc euh, ça fait quand même plaisir. Donc il y a beaucoup d'humour. Le film est assez distrayant. Je me suis pas trop fait chier. Euh, comparé à, au, au films de Wai en général, moi c'est vrai que c'est pas trop mon type de cinéma. Vous savez que je suis un énorme bourrin. Que je, ma, ma ma chaîne traite plus de cinéma d'action de cinéma euh, avec une dimension héroïque plus classique plus d'exploitation euh, ouais, je suis un peu un sale gosse et euh, mais de temps en temps voilà voir un petit film euh, d'auteur ou un petit film euh, euh, un petit peu comme ça plus artistique aussi c'est ça fait une petite bouffée d'air frais et, euh, et c'est toujours appréciable. Et ce qui est aussi cool dans le film, et je en... d'ailleurs, c'est un petit peu ce que, ce que, ce... la réflexion que j'ai eue comme ça en sortant. C'est que dans le film, il y a quelques jours, je vous ai parlé d'une, je fais une vidéo, une espèce de rétrospective sur Alex Mann, et je vous avais parlé du film King of Gambler, qui est une espèce de gros film d'exploitation de bois. Là, on est vraiment dans l'opposé de Mon Wai, On est dans le du gros film d'exploitation populaire qui pompe allègrement à droite à gauche du John Woo, du Wong Jing, etc. Pour une, faire une espèce de, de, de truc d'exploitation totale. Euh, et ce film King of Gambler était donc, je vous avais dit, le réalisateur c'était Johnny Kong, euh, le réalisateur de, de Madame City Hunter. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que euh, Johnny Kong apparaît dans Les Anges Déchus et Johnny Kong euh, il a voilà, bien qu'il ait fait un, un gros film de, de bourrin d'exploitation comme King of Gambler, eh ben il était assistant réalisateur chez Wong Kar-wai euh, dans pratiquement tous ses films en tout cas au début de sa carrière, euh As Tears Go By, euh, Nos années sauvages, euh, Les anges déchus, donc euh, le film dont je vous parle, Chungking Express et peut-être même encore d'autres et euh, donc c'est un assistant réel. Euh, d'une grande qualité qui est capable de faire des gros films d'exploitation et des, des, des films d'auteur et ça c'est un petit peu ce que je trouve comme c'est un petit peu la marque et c'est ce que j'aime dans le cinéma de Hong Kong c'est que les, les les réalisateurs un peu autorisants ou les réalisateurs un peu d'exploitation euh, d'ailleurs c'est très souvent globalement plus un cinéma d'exploitation quand même Hong Kong c'est plus pour faire du divertissement et de l'argent que faire de l'art on va pas se mentir mais ce qui est très intéressant c'est que un, un réel ou un assistant réel ou un ou un artiste ou un cinéaste peut se retrouver dans des projets très différents euh, il peut se retrouver dans un dans, à faire un à assister Wong Kar Wai et puis de, et puis à faire un pur film d'exploitation pour faire de l'argent et c'est ça qui est très intéressant c'est que Wong Kar Wai euh, voilà euh, va rencontrer un cinéma plus populaire etc et, et, et les artisans qui bossent dans ce cinéma euh, font tout type de films et, euh, et passent de la de la comédie au drame au film de kung fu euh, au film d'auteur c'est très intéressant et moi j'ai toujours aimé ça aussi dans cette ville qui est une petite ville en fait où tout le monde se connaît et où tout le monde a été à un moment amené à travailler ensemble c'est très difficile de ne pas trouver des acteurs ou des réalisateurs ou des producteurs ou des assistants réels ou des techniciens ou des compositeurs ont pas bossé en fait sur, euh, on pas bosser ensemble à un moment ou à un autre. Donc, c'est très intéressant. Moi, ça m'a marqué quand j'avais, euh, bossé un petit peu à la, à la TVB en tant qu'assistant, là, euh, chorégraphe et tout ça. J'avais remarqué ça. C'est-à-dire que y avait, y avait tout un tas de, de, d'acteurs de, ou de, ou de gens qui avaient fait le cinéma de Hong Kong et qui venaient d'univers très différents et qui étaient amis et que, etc. Donc, moi, je trouve ça assez touchant. Ça, ça, ça renforce le sentiment que j'ai pour ce cinéma qui pour moi est un peu comme un cinéma familial, c'est-à-dire que c'est vraiment comme une famille, c'est un cinéma dans lequel je me suis toujours senti le plus proche, et du coup c'est ça, ça renforce ce sentiment de voir que tous les gens, c'est un peu comme une petite famille, tous les gens se connaissent, tous les gens travaillent ensemble, donc voilà, finalement on était dans la salle, on avait parlé avec Habib et Jonathan de, de, de King of Gambler, de Johnny Kong, et de, de cette espèce de folie d'exploitation. Euh, complètement opportuniste. Et là, en fait, on regarde le film de Wong kar et Les Anges déchus, et je, je leur dis, bah, regardez, c'est Johnny Kong qui apparaît à l'intérieur, et à la fin du générique, on voit qu'il a participé, qu'il a été assistant réel, réal. Donc, ça fait une espèce de boucle comme ça, et, et c'est tout ce qu'on aime dans le cinéma de, de Hong Kong, c'est cette espèce d'esprit de, de famille. Donc voilà, euh, en tout cas, je vous incite vraiment à redécouvrir. Moi, j'ai vraiment redécouvert Les Anges déchus. Alors, je suis très content, là, il y a beaucoup, beaucoup de films de Hong Kong qui ressortent, notamment en 4K. Que ce soit en DVD, en, en Blu-ray, enfin en, en support physique ou sur grand écran, c'est vraiment très 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 cool parce qu'on redécouvre complètement les films. Parfois même, on, on se met à apprécier des films qu'on avait trouvé moyens à une époque ou qu'on avait même détesté Et Là, on peut les, ça, ça, ça réhausse le niveau, donc c'est c'est très agréable. C'est c'est vraiment mythique. J'aurais jamais cru avoir l'occasion dans ma vie de revoir tous ces films dans des qualités pareilles, moi j'étais vraiment un fan de la première heure qui, 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 qui s'est maté tous ces films dans des qualités absolument dégueulasses, au maximum on avait du DVD, plus récemment du Blu-ray, mais là avec la, le 4K, avec les nouveaux masters et tout remasterisé, c'est extraordinaire, c'est vraiment cool et j'aurais jamais cru assister voilà à toutes ces séances et voir tous ces films remasterisés, c'est génial, donc là ça va ressortir bientôt, donc c'est encore en salle, c'est si peut-être sur Paris et peut-être dans d'autres salles en, en France. Euh, et ça va ressortir en, en Blu-ray donc 4K donc euh, voilà il y a toute une rétrospective comme ça de, de, de films qui ressortent je crois que c'est chez Carlotta mais je suis pas tout à fait sûr donc euh, voilà je, je suis pas... Très au fait, moi, de toutes les rééditions, etc. Hein, je, suis, je suis un peu aussi un bourrin à ce niveau-là. En tout cas, Les Anges déchus, pour moi, c'est, après Astia's Go Bye, finalement, mon Wong Kar préféré, qui l'eût cru. Euh, alors que pendant des années, c'était Junking Express. Je sais que beaucoup de gens vont, vont, vont hurler en entendant ça. Euh, mais moi, finalement, j'ai été beaucoup plus touché par Les Anges déchus, parce qu'il a une manière de, voilà, de, de filmer Hong Kong, encore une fois. Hong Kong est un personnage à part entière, et on peut le filmer sur tous les angles toutes les coutures, de tous les points de vue à chaque fois qu'on parle d'un point de vue de personnage qu'on se fixe sur un type de, 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 de classe sociale de personnage de, de, que, 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 que le personnage vienne de Chine continentale de Hong Kong, qu'il soit pauvre, riche euh, qu'il soit une femme un homme, un enfant un, un, un vieillard euh, n'importe quel type d'histoire, c'est toujours très intéressant et euh, à chaque fois euh, ça se réinvente parce que je pense que la ville de manière organique en fait, à quelque chose qui qui marche direct en fait au niveau de l'inconscient collectif et du et de, et de la et de la représentation cinématographique. Il y a vraiment un truc même quand on filme simplement Hong Kong avec une caméra un peu pourrie, euh, il y a quelque chose qui se passe parce que cette ville est en soi quelque chose de vivant et de et de vibrant et on le ressent quand on y est et on le ressent à travers le cinéma de Hong Kong. Des fois, simplement filmer Hong Kong comme ça. Euh, ça fait un film intéressant et ça fait des décors très intéressants. Donc là, c'était le cas. C'est pas ma cam, mon carway, c'est pas mon type de, de cinéma. Mais là, franchement, ça a fonctionné du tonnerre de Dieu et je pense que c'était principalement euh, par amour pour le cinéma de, de Hong Kong et pour la ville de Hong Kong en elle-même et le décor qu'elle représente et ce, ce côté organique. Donc voilà. Euh, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.